Amen. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Nous avons déjà prié pour la parole. We've already prayed for the word. Avant de commencer Before starting message aujourd'hui, our message of today, je voudrais dire à merci à notre pasteur. I want to thank our pastor pour cette confiance qu'il m'a fait. For the confidence that he's given me. De se tenir devant vous et de partager sa parole. To stand before you and to share his word. Et je voudrais aussi remercier vous qui êtes présent. I also want to thank you that's present. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Let the Lord God bless you. Je dis aussi merci à notre Dieu. I also say thank you to our God. Qui a fait que je sois son instrument. That has allowed me to be his instrument. Car j'ai pas mérité de l'être. Because I did not deserve to be. Mais il m'a fait grâce. But he's granted me grace. Afin que je puisse me tenir et communiquer sa parole. So that I would stand here and communicate his word. Amen. Amen. Vraiment que l'Éternel soit béni. Truly may the Lord be blessed. Nous allons partager la parole du Seigneur. We want to share the word of the Lord. Ce que l'Éternel m'a mis à cœur. What the Lord placed in my heart. Pour que nous puissions parler ensemble. So that we would speak together. Je méditais qu'est-ce que nous allons parler. I was meditating on what we should speak about. Mais Dieu m'a mis à cœur. And God placed in my heart. Que nous puissions parler de ce thème. That we would speak about this theme. Le message que nous allons partager s'intitule. The message that we will share is titled. Les jours des récompenses arrivent. The day of reward is coming. Ou le jour des récompenses s'approche. Or the day of reward is coming soon. Dieu veut récompenser quelqu'un. God wants to reward someone. Dieu veut encore récompenser. God wants to reward once again. Et Dieu veut nous faire du bien. And God wants to do us well. C'est le message que nous allons partager. This is the message that we will share. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. We're going to take our Bibles in the book of Genesis. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Genesis chapter 15, le verset 1er au 6e verset. Verse 1 to 6. Nous pouvons nous mettre debout. We can stand up. La Bible dit ceci. The Bible says this. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui invita à justice. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre des 2 Corinthiens rapidement. We'll also read in the book of 2 Corinthians quickly. Le chapitre 5. Chapter 5. Le verset 10e. And verse 10. 2 Corinthiens. 2 Corinthians. Chapitre 5, verset 10. Chapter 5, verse 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. We may be seated. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord.
C'est avec joie et plaisir de partager avec vous cette parole. That I will share this word with you. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Here it's about the story of Abraham. C'est une histoire qui a commencé dans le chapitre 14 de Genèse. A story that started in chapter 14 of Genesis. Abraham venait de combattre, de faire un grand combat. Abraham just done a big battle. Pour libérer son neveu Lot. To free his nephew Lot. Il y a eu un grand combat. It was a big battle. Et Abraham était victorieux. And Abraham was victorious. Devant la coalition des rois. Before the kings. Parce que ce n'était pas seulement un royaume qui a combattu, que Abraham a combattu avec. Because it was not just a kingdom that Abraham battled against. Mais c'était une coalition. But it was a big kingdom. De rois ou de royaumes. Of kings or kingdoms. Abraham a combattu. That Abraham battled against. Et la Bible nous dit, après avoir vaincu. And the Bible tells us after he had conquered. À son retour. When he returned. Il a rencontré. He's met. Melchizedek. Melchizedek s'était présenté devant lui. And he presented himself before Abraham. Comme la Bible nous le dit. As the Bible tells us. Il est le roi de Salem. He's the king of Salem. Il est le roi de paix. He is the king of peace. Abraham a fait rencontre avec lui. Abraham met him. Et Melchizedek. And Melchizedek. A béni la vie d'Abraham. He blessed the life of Abraham. Et la Bible continue à dire. And the Bible continues on to say. Après cette rencontre avec Melchizedek. That after this encounter with Melchizedek, Dieu est venu maintenant. God came. Il est venu apparaître. And he came and appeared dans la vie d'Abraham, in dans the une life vision. Of Abraham in a vision. Et il a parlé à Abraham. And he spoke to Abraham. Il a dit à Abraham, he told Abraham, je suis ton bouclier. I am your shield. Je suis ton protecteur. I am your protector. Et je te récompenserai. And I will reward you. Ta récompense sera tellement grande. Your reward will be so great. Abraham a dit. And Abraham said. Mais voici moi, je m'en vais maintenant. But here I am and I'm going. Je n'ai pas de postérité. I don't have any descendants. Je n'ai pas d'enfants. I don't have any children. Celui qui sera héritier de ma maison. The one who will be a heir parce of my house. Abraham était béni. Because Abraham was blessed. Celui qui sera héritier de ma maison. The one who will be a heir in my house. Sera l'enfant d'un de mes serviteurs. Will be the child of one of my servants. Qui est nommé Eliezer. Who is named Eliezer. Et Dieu a dit à Abraham. And God told Abraham. Ce n'est pas le fils de ton serviteur. It's not the son of your servant. Ce n'est pas celui qui est né dans ta maison. It's not the one who's born in your il house. Sera ton héritier. That will be your heir. Mais ça sera le fruit de tes entrailles. But it will be the fruit of your womb. Celui qui sortira de toi. The one who will come out of c'est you. Dit, c'est ton enfant propre. Meaning it's your own child. Il sera ton héritier. That will be your heir. Dieu a dit à Abraham, God told Abraham, regarde le ciel. Look at the sky. Abraham a vu beaucoup d'étoiles. Abraham saw many stars. Et Dieu a dit, and God said, telle sera ta postérité. This will be of your descendants. Et si nous lisons encore dans la parole de Dieu, and if we really get in the word of God, nous allons voir Dieu dit à Abraham, we will see that God tells Abraham, de voir, de compter les sables, to count the sand. Et tout ceci pour lui montrer, and all this to show him, lui faire voir, and to make him see, comment grande sera sa postérité, how big his descendants will be. Mais je voudrais revenir à une chose. Beloved, I want to come back to one thing. La Bible nous dit, the après Bible ces événements, after these series of events, après avoir rencontré Melchizedek, after meeting Melchizedek, le Dieu des apparitions, the God of appearing, celui qui a créé le ciel et la terre, the one that created the heavens and the earth, personne ne peut révéler. The one that no one can reveal to. Ce Dieu-là s'est révélé à Abraham. This God revealed himself to Abraham. Le Dieu en qui Abraham a cru. The God in whom Abraham believed. C'est le Dieu en qui aussi nous avons it's cru. It's the God that we also believe in. C'est le Dieu en qui tu as cru. It's the God that you believed in. Il est le Dieu des apparitions. He is the God that appears. Il est le Dieu des révélations. He is the God of revelation. Aucune personne ne peut révéler Dieu. No one can reveal to God. Si ce n'est que lui-même. If it's not himself, aucune personne ne peut représenter Dieu. No one can present God well. Aucune personne. Because no one ne connaît la taille de Dieu. Knows the greatness of God. Personne ne peut donner à Dieu la taille. No one can give the greatness of personne God. Personne ne peut donner à Dieu la forme. No one can give God a form, mais a shape. Dieu-là but this God s'est révélé.
revealed himself. Le Dieu des apparitions. The God that appears. Le Dieu des révélations. The God of revelation. Le Dieu des visions. The God of visions. Il est venu se révéler. He came and revealed himself. Il a apparu à Abraham. And he appeared to Abraham. Et il a parlé à Abraham. And he spoke to Abraham. Laissez-moi te dire. Let me tell you. Le Dieu en qui tu as cru. The God in whom you believe. Il est le Dieu des apparitions. He is the God that appears. Le Dieu en qui tu as cru. The God in whom you believe. Il est le Dieu des visions. He is the God of visions. Il est le Dieu des manifestations. He is the God of manifestation. Il n'est pas un Dieu mort. He is not a dead God. Il est le Dieu des manifestations. He is the God of manifestation. Ce Dieu-là. This God. Va se révéler dans ta vie. He will reveal himself in your life. Ce Dieu-là. This God. Va apparaître dans ta vie. He will appear in your life. Je ne sais pas comment il va apparaître. I don't know how he will appear. Mais il va apparaître dans ta vie. But he will appear in your life. Il va se révéler dans ta vie. He will rise up in your life. Il n'a pas besoin que tu puisses lui représenter. He doesn't need you to present him. Lui-même se révélera dans ta vie. He himself will reveal himself in your life. S'il y a quelque chose en toi. If you have something in you. Qui représente Dieu dans ta maison. That represents God in your house. Je t'encourage cet après-midi. I'm encouraging you. D'aller détruire cette chose. To go destroy that thing. D'aller détruire cette statue. To go destroy that statue. Car personne ne peut représenter Dieu. Because no one can represent God. Il se révèle lui-même. He reveals himself. Il est le Dieu des visions. He is the God of visions. Il n'a pas besoin d'être représenté. He does not need to be represented par une chose. By a thing. Ce Dieu-là va se manifester. This God will manifest himself. Abraham avait un problème en lui. Abraham had a problem in him. Personne ne pouvait imaginer. No one could have imagined que le cœur d'Abraham, that the state of Abraham, désirait avoir un enfant, that he desired to have a child, le cœur d'Abraham, that the earth of Abraham, désirait avoir un héritier, he desired to have a heir. Depuis que j'avais lu la parole de Dieu, since I've read the word of God, quand Dieu a appelé Abraham, when God called Abraham, et jusqu'à ce qui s'est passé, until this scripture, je n'ai pas vu, I have not seen, là où Abraham, where Abraham avait besoin d'un héritier, needed a heir. Mais ce chapitre, but this chapter, nous fait voir, makes us see, qu'Abraham avait besoin d'un héritier, that Abraham needed a heir. Le Dieu que nous prions, the God that we pray to, est un Dieu de solution. He is the God of solution. Le Dieu que nous prions, the God that we pray to, le Dieu qui connaît nos cœurs. He's the God that knows our hearts. Il connaît nos désirs. He knows our desires. Tu peux ne pas parler de cela. You cannot, you might not speak. Personne ne peut connaître cela. Nobody might know it. Mais Dieu, but God, il est celui qui sonde les cœurs. He is the God that tests the heart. Et qui sonde les reins. And that tests your being. Rien n'est caché devant la face nothing de Dieu. Nothing is hidden before God. Il connaît les désirs de ton he cœur. He knows the desires of il your heart. Il connaît les pensées de ton cœur. He knows the thoughts of your il heart. Il connaît ce que ton cœur désire. He knows what your heart desires. Dieu connaissait. God knew. Le désir d'Abraham. The desire of Abraham. Et Dieu. And God. Il a décidé, he decided, que le temps maintenant, that the time now, de bénir Abraham était to bless arrivé. Abraham has arrived. Le temps de récompenser the Abraham time est to arrivé. Reward Abraham had come. Dieu s'est décidé, God decided, de voir, d'apparaître devant Abraham, to appear before Abraham, pour lui faire voir, to make him see, qu'il aura un héritier, that he will have a heir. Hallelujah. Il y a un temps de récompense. There's a time of reward. Il y a un temps de récompense. There's a time of reward. Mais il y a un temps de beloved, récompense. Beloved, there is a time of reward. Dieu te connaît. God knows you. Dieu connaît tes plaies. He knows your cries. Même si les gens ne connaissent pas. Even if people don't know. Même si les gens ne savent pas voir even le dedans de ton cœur. Even if people cannot see in your heart. Bien-aimé, Dieu. Beloved, God. Connaît. He knows. Il sait quand tu pleures. He knows when you cry. Il sait quand tu te lamentes. He knows when you lamentate. Il sait te voir quand tout ça ne va pas. He knows how to see you when things are not mais going well. Mais cet après-midi, but this afternoon, Dieu vient te dire. God has come to tell you. Il y a un temps de récompense pour ta vie. There's a time of reward for your life. Il y a un temps de récompense pour ta vie. There's a time of reward for your life. Dieu t'a vu là où tu es. God has seen you where you are. Et il a besoin. And he needs. De bénir. To bless your life. Il est le Dieu des récompenses. He is the God of reward. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu a vu et il est descendu. God seen and he descended. Mais retournons un peu en arrière. But let's go backwards a little bit. Qu'est-ce qui a fait? What made? Qui a poussé Dieu? What pushed God? Pour récompenser Abraham. To reward Abraham. Pour bénir Abraham. To
bless Abraham. Quand je méditais la parole de Dieu, when I was meditating the word of God, j'ai réalisé quand Dieu a appelé Abraham. I realized that when God called Abraham, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham did not know God. Abraham était loin de Dieu. He was far from God. Le père d'Abraham était un féticheur. The father of Abraham was an occultist. Abraham était loin de Dieu. Abraham was far from God. Il ne pouvait pas imaginer ce Dieu-là. He could not imagine this God. Mais le jour où il a reçu la révélation, but the day when he received this revelation, le jour où le Dieu des apparitions est apparu dans sa vie, the day where the God who appears appeared in his life, Abraham a accepté. Abraham accepted. Sans condition à with Dieu. No condition to God. L'appel que Dieu lui avait fait. The calling that God has done unto him. Je méditais. I meditated on this. Abraham n'a pas refusé. Abraham did not refuse. L'appel de Dieu. The calling of God. Abraham n'a pas refusé. Abraham did not refuse. Ce que Dieu lui a demandé. What God asked of him. Abraham s'est levé. Abraham rose up. Il a obéi à Dieu. And he obeyed to God. Je vois l'obéissance d'Abraham. I see the obedience of Abraham. Dieu and it pushed God à venir à son secours. To come to his rescue. J'ai réalisé encore. I recognize Abraham ne connaissait pas ce Dieu. Abraham did not know this mais God. Abraham a accepté. But he accepted de marcher dans la crainte de ce to Dieu. Walk in the fear of this God. Il a accepté. He accepted de marcher dans la crainte de ce Dieu. To walk in the fear of this God. De obéir ce Dieu. To obey this God. Qui était un Dieu étranger pour lui. That was a foreign God for him. Mais il a accepté. But he accepted. Beloved in the Lord, l'obéissance obedience to God will push God intervenir dans ta to intervene in your life. La Bible nous dit, the Bible tells us Abraham a quitté son pays. Abraham left his country. Il a quitté sa patrie. He left his country. Il a quitté ses relations. He left his relationships pour suivre Dieu. To follow God. Pour obéir à Dieu. To obey God. Jésus n'a-t-il pas dit, Jesus did he not say, c'est lui qui abandonnera. The one who will abandon. C'est lui qui quittera. The one who will leave. Sa famille. His family. Son pays. His country. Ses enfants. His children. Ses relations. His relationships. Dieu. God. Le bénira davantage. Will bless him the more. Il sera béni. He will be blessed. Dans le siècle présent. In this. Et il sera béni. In this time. Dans le siècle à venir. And will also be blessed. Il a quitté la famille. He also Dieu lui donnera encore la famille. That God will also il a quitté des relations. He left his relationships. Dieu lui donnera des nouvelles relations. And God will give him new relationships. Tout ce qu'il a quitté. Everything he left. Dieu lui donnera en retour. God will give him back. Abraham s'est accompli dans la vie d'Abraham. And this accomplished itself in the life of Abraham. Dieu est venu bénir Abraham. God came in to bless parce Abraham. Parce qu'il avait accepté de quitter. Because he accepted to leave. Qu'est-ce qui retient ta vie? What is holding back your life? Dans ta marche avec le Seigneur. In your walk with the Lord. Lève-toi. Rise up. Examine ta vie. Examine your life. Tout ce qui est contraire à ta vie. Everything is contrary in tout your life. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Everything that is contrary to the prends will of God. Prends une décision. Take a decision. De quitter cela. To leave it. Parce que quand tu quitteras. Because when you will leave. Tu ne seras jamais un perdant. You will never be a mais loser. Mais au contraire. But in contrary. Tu vas attirer. You will attract. La faveur de Dieu. The favor of God. Dans ta vie, in your life parce que tu as quitté. Because you've left. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, ce qui te retient, what is holding you back n'apportera rien dans ta vie. Will not bring anything in your life. Ce qui te retient, what is holding you back n'apportera que la mort dans ta will vie. Only bring death in your prends life. Prends le courage aujourd'hui. Take courage today. Abandonne ce que Dieu ne veut pas dans ta vie. Abandon what God does not want in your life. Quitte le monde, bien-aimé. Quitte les relations. Leave relationships. Qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. That are not conformed to the word of God. Quitte les amitiés. Leave the friendships. Qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. That are not conformed to the word of God. Quitte les choses. Leave the things. Qui ne sont pas qui sont contre la volonté de Dieu. That are contrary to the word of God. En faisant cet acte-là. While you doing this act. Tu verras Dieu s'élever dans ta vie. You will see God rise up in your life. Des choses qui étaient impossibles. Things that were impossible. Deviendront possibles. Will become possible. Les choses qui étaient impossibles. The things that were impossible. Deviendront possibles dans ta vie. Will become possible in your life. Parce que tu as quitté. Because you've left. Abraham a quitté. Abraham left. Abraham a quitté. Abraham left. Et Dieu a béni Abraham. And God blessed Abraham. Et par après, and afterwards, Dieu, à part la prédiction qu'Abraham a vécu, apart from the blessings that Abraham lived, avant le chapitre 15,
Before chapter 15, si nous lisons la parole de Dieu, if we read the word of God, Abraham était déjà béni par la main du Seigneur. Abraham was blessed already by the hand Mais of the Lord. Au-delà de cette bénédiction, but above this blessing, il y avait une récompense. There was a reward. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. God has seen the obedience of Abraham. Dieu a vu la crainte d'Abraham. He's seen the fear of Abraham. Dieu a vu la foi d'Abraham. God has seen the faith of Abraham. Abraham ne passera jamais sur la terre comme ça. Abraham will not pass by on earth Il just faut like que this. Cet homme soit récompensé. This man needs to be rewarded. Dieu récompensera ta foi. God will reward your faith. Dieu récompensera ton obéissance. He will reward your obedience. Ta He will reward your fear. Dieu a vu Abraham. God seen Abraham. Et ce jour-là, Dieu est descendu. And that day God descended. Le Dieu des apparitions the est descendu. The God who appears descended. Il descendra dans ta vie. And he will descend in your life. Il descendra dans ta he vie. He will descend in your life. Il descendra dans ta he vie. He will descend in your life. Il est écrit dans la parole de Dieu. It's written in the word of God. Il n'a ni ombre de variation. He has no shadow of variation. Et ni changement. And no change. Il est le même. He is the same. C'est-à-dire, meaning, celui qui s'est manifesté à Abraham, the God that manifested himself to Abraham, he is the same today to manifest himself in your life. Il ne change pas. He will never change. Il est le Seigneur de gloire. He is the Lord of glory. Le Dieu aux capacités illimitées. The God with unlimited capacity. Celui qui a créé le ciel et la terre. The God that created the heavens and earth. Celui qui sait donner des enfants. The one that knows how to give celui children. Celui qui ressuscite les morts. He resurrects the dead. Celui qui guérit les malades. He heals the sick. Il n'a pas changé. He has not changed. Il se manifestera dans He will vie. Manifest himself Dieu in your life. God seen the obedience of Marche Abraham. Marche dans l'obéissance des yeux. Marche dans l'obéissance des yeux. He seen the obedience of Marche dans la crainte des yeux. Walk in the fear of God. Et tu vivras la gloire des yeux. And you will live the glory of God. Le temps des récompenses. The time of reward, beloved. Et Stéphano. Ceci a poussé. This pushed Abraham a to multiply good works before God. Beloved in the Lord, in this walk with the Lord, because there's a blessing of God before us, all these things will push us to walk or to produce good works devant le Seigneur. Before the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand Dieu a parlé à Abraham. When God spoke to Abraham. Tu peux dire c'est une promesse tout simplement qu'il avait donné à Abraham. We can say that it's a simply promise that he gave to Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham. When God spoke to Abraham. Quand Dieu a déclaré cette parole. When God declared this word. Que ta récompense sera grande. That your reward will be great. Oui, c'était une promesse. Yes, it was a promise. Mais laissez-moi te dire. But let me tell you. Dieu Quand Dieu parle, when God speaks, il engage sa plénitude, he engages his fullness. Il engage sa divinité. He engages his divinity. Quand Dieu parle, when God speaks, il ne cherchera pas la solution. He will not seek the solution. Il a la solution avec lui. He has a solution within him. Il est capable d'accomplir. And he's capable of accomplishing this. Dieu s'engage. God engages himself. There's the engagement of God. Dieu ne crampe pas. God does not. La Bible déclare. The Bible declares. Il ne pas Fils de l'homme. He is not the son of man to forsake you. Pourquoi? Why? Parce que il engage sa divinité. Because he engages his divinity. Il engage sa sainteté. He engages his holiness. Il n'a pas de raison. He has no reason à tromper quelqu'un. To forsake someone. Il n'avait pas de raison. He didn't have a reason pour tromper Abraham. To forsake Abraham. Dieu a vu. God had seen. Abraham et sa femme. Abraham and his wife étaient déjà dépassés. And they were already above. The age where they cannot have Mais children. Dieu a parlé but God had spoken dans sa sainteté, in his holiness, dans sa divinité, in his divinity. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, il a parlé he spoke ce que les hommes what men ne peuvent pas croire, could have not believed ce que les hommes what men ne peuvent pas imaginer, couldn't have imagined ce que les hommes what men ne peuvent pas accomplir, couldn't have accomplished. Mais dans sa sainteté, but in his holiness, Dieu a parlé God had spoken. Pour
to say il est capable, he is capable to accomplish ce qu'il a parlé. What he's spoken about. Beloved in the Lord, je sais pas ce que Dieu t'a parlé. I don't know what God spoke on to you. Pas ce que tu as médité dans la parole I don't know what you meditated in the word of the il Lord. Y a des révélations particulières. There are particular revelations. Il y a des révélations qui sont écrites dans la parole and de there's Dieu. Revelations written in the word of God. Je sais pas quand est-ce que Dieu t'a donné I la don't promesse. Know when God gave you the promise. C'était dans une songe que Dieu t'a donné. Maybe it was in a dream that he gave ou it to you. Dans la parole de Dieu. Maybe it was within the word of parce God. Que la parole de Dieu, because the word of God, la Bible telle qu'elle est, the Bible as it is, elle est pleine de promesses. It's full of promises pour le peuple de Dieu. For the people of God. Il y a plus de 3000 promesses. There's more than 3,000 promises dans la parole de Dieu. In the word of God. Ceci pour le peuple de Dieu. This is for the people of God. Alors je ne sais pas. So I don't know. Dieu t'a parlé dans une révélation. That God spoke to you in a revelation. Dieu t'a parlé dans une songe. He spoke to you in a dream. Dieu t'a parlé par la Bible. He spoke to you through the Bible. Mais la vérité est but que the truth is, tout ce que Dieu t'a parlé, everything God spoke unto il est you, capable de les accomplir. He's capable of accomplishing que ça soit par les songes. Whether it's through the dream, que ça soit par une révélation, whether it's through revelation, que ça soit par une prophétie, whether it's through prophecy, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, the God that created the heavens and the earth, il n'est pas menteur. He is not a liar. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, the God that created the heavens and the earth, accomplira. He will accomplish la promesse qu'il t'a donnée. The promise that He's given you. La promesse qu'il t'a donnée. The promise that He's given you. Il accomplira. He will accomplish. Ce que les hommes ne peuvent pas what faire. What men cannot do. Dans ta vie. In your life. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Because He is a powerful God. Il est le Dieu tout puissant. He is the Almighty God. Il sait appeler. He knows how to call. Les choses qui n'existent pas. Things that don't exist. Dans l'existence. Into existence. La Bible déclare. The Bible declares. Il a dit. He said. Que la lumière soit. That the light shall be. Et la lumière fut. And it was. Où était la lumière? Where was the light? Que pouvait imaginer? What could you imagine? Que la lumière peut exister? That the light could exist. Il a dit. But he said. Que la lumière soit. Let the light be. Et la lumière fut. And the light was. Bien-aimé le Seigneur. Beloved in the Lord. Il est le Dieu capable. He is a capable God. La révélation que tu as. The revelation that you have. La prophétie que tu portes. The prophecy that you carry. La révélation de la parole de Dieu the que tu as. The revelation of the word of God that you Dieu have. Est capable. God is capable. Cette révélation. With this revelation. Cette promesse. This promise. Ne passera jamais. Will not pass. Ne passera jamais. Will never pass. Peu importe le temps. No matter the time. Il a dit à Habakkuk. He told in Habakkuk. Reste sur ton poste. He said, stay on your post. Écris la promesse. La révélation. Write down the revelation. Pour dire. To say. Il a continué. And he continued. Même si elle tarde. Even if it tarries, it will accomplish itself. It will accomplish itself. Certainly it will accomplish itself. What God has told you, I'm coming to tell you, it will accomplish itself in your life. It will accomplish itself in your life. I don't know if you are sleeping. I don't know if you're sitting down. I don't know if you're on your knees. I don't know if you're in meditation. Mais ce que Dieu a dit, but what God has said dans ta vie, will accomplish itself in your life. Why will it accomplish parce itself? Ans, because as we say this, Dieu t'a parlé, when God spoke to you, il n'était pas un simple homme, he was not a simple man. Mais c'était dans sa divinité, but he was in his divinity. Dans sa grandeur, in his greatness. Dans ses capacités, in his capacities. Dans sa puissance. In his powerfulness, dans sa sainteté, in his holiness, il est venu te parler. He came to speak to you. Et la chose ne passera jamais. And this thing will not pass by. Peu importe le temps. No matter the time. Mais comment je ne vois pas? Oh, but I don't see it. Mais comment je ne suis pas guéri? Oh, but I'm not healed. Il m'a parlé de la guérison. He spoke to me about healing. Il m'a parlé j'aurai d'enfants. He spoke to me about having children. Il m'a parlé je réussirai dans ma vie. He spoke to me about succeeding in my life. Il m'a parlé j'aurai la gloire dans he ma vie. He told me that I will have glory in my life. Tu vivras la gloire de Dieu. You will live the glory of God. Tu réussiras dans ta vie. You will succeed in your life. Avec ce Dieu, tu auras des enfants. With this God, you will have children. Parce que sa parole ne passera jamais. Because His word will never pass by. Quand elle est déclarée, when the word is declared, elle ne retourne pas à Dieu, it will not go back to God first. Avant que la parole de Dieu retourne, when the word of God goes back, avant que la promesse retourne, before the promise goes back, elle doit
accomplir. It needs to be accomplished. Elle doit faire ses effets. It needs to have its effects. Tu vivras les effets de la promesse. You will live the effects of the promise of tu God. Tu vivras les effets de la parole. You will live the effects of the word of God. Tu le vivras dans ta vie. You will live it in your life. Et c'est pourquoi David a dit, David said, je ne mourrai pas. I will not je die. Je vivrai. I will live. Je raconterai. I will tell je the words of the Lord. Tu raconteras. Of the works of the Lord, you will tell la guérison des the yeux. Healing of God. You will tell la délivrance des the yeux. Deliverance of God. You will tell les capacités des yeux. The capacity of God dans ta vie. In your life. Parce qu'il est Dieu. Because He is God. David a compris cela. David understood et this. Il a dit, ne mourra pas. He said, I will not die. Il vivra. I will live. Il est le témoin. He is the witness de merveille des yeux. Of the wonders of God. Et Dieu te fera. And God will do unto le you témoin de sa main puissante. The witness of His powerful Dieu hand. Te fera. He will make of le you témoin de sa gloire. The witness of His glory. Car on dit because we say que Dieu donne des enfants. That God gives children. Tu témoigneras. You will testify. Tu diras, c'est vrai. You will say it's true. Il donne des enfants. He truly gives children. Car on dira when we will say que le Dieu de guérison. That He is the God of healing. Tu diras, c'est vrai. You will say it's true. Il est le Dieu de guérison. He is the God of healing. Car on dira when they will say il est le Dieu qui protège. He is the God that protects. Tu diras, you will say il est vraiment celui he is qui truly protège. The one that protects. He is truly the one that protects. J'ai connu l'accident. I knew the accident. Mais la protection de Dieu. But the protection of God avec moi. Was with me. Tu témoigneras. You will testify. Like my mom had just testified. La protection de Dieu. The protection of God. Elle n'a pas besoin. She doesn't need. Que vous puissiez la dire. That you would tell her. Que Dieu protège. That God protects. Elle est le témoignage. She is the witness. Protection of God. You will testify. You will testify. You will testify. No matter the time. You will testify. That all this will bring you to produce the works of faith in your life. Let all these things bring you to produce good in your life. Produce good in your life. Produce good in your life. Produce the works of faith in your life. Let all these things, all these promises of God, the wonders of God, bring you to produce the works of faith in your life. The works of faith in your life. Car il est Dieu. Because He is God. Il est Dieu. He is God. Qui va jouir. You will rejoice. Qui va jouir. You will rejoice. De la main de Dieu dans ta vie. Of the hand of God in your life. Il était arrivé. It happened. Le temps. The time. Qu'il soit récompensé. For them to be rewarded. Continue à produire les œuvres. Continue to produce the works. Même si tu es dans la souffrance. Even if you're suffering. Continue à produire les œuvres. Continue to produce good works. De la foi dans ta vie. A faith in your life. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Que ni la souffrance. Nor sufferings. Que ni les réalités qui nous entourent. Let nor the realities that surround us. Que ni la science ou la technologie. Let neither science or technology. Nous désorientons dans la marche avec Dieu. Disorient us in our walk with God. Nous empêche à produire les œuvres de la foi. Prohibit us to produce good works of faith. Il y a un temps de récompense pour toi. There is a time of reward for you. Bien-aimé, continue à produire. Beloved, continue to produce. Si tu n'as pas l'habitude de le produire. If you don't have the habit to do so. Prends la décision. Take the decision. De produire les œuvres de la foi. To produce the works of the faith. Les bonnes œuvres. Good works. Beloved in the Lord. Nous avons vu cela dans la vie d'Abraham. We've seen this in the life of Abraham. Et dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu. And in the life of all those who walked with God. Produis les bonnes œuvres. Produce good works. Aidez là où il faut aider. Help where you must help. Aidez là où il faut beloved, aider. Help where you must help. Donnez là où il faut donner. Give where you must give. Compatis là où il faut compatir. Have compassion where you must have compassion. Il y a un jour. There is a day des récompenses. Of reward.
C'est un jour glorieux. It's a glorious day. Mais maintenant, je veux aller au-delà. But now I want to go above. De la récompense sur la terre. Of the reward on earth. Jésus nous a rassuré. Jesus reassured que to nous us. Nous allons être bénis sur cette terre. That we will be blessed on this earth. Ça, c'est un fait. This is a fact. Et nous allons vivre cela. And we will live this. Mais il a dit aussi. But he had also said. Dans les siècles à venir. In the century to c'est come. C'est là où je vais parler maintenant. This is what I'm going to speak about right now. Le siècle à venir. The century to come. Il y a un jour de récompense. There's a day of reward. Les jours viennent. The day is coming. Où chacun de nous. Where each of us. Sera récompensé par will Dieu. Be rewarded by God. Ça nous concerne tous. It concerns all of us. Ça concerne le peuple de Dieu. It concerns the people of God. Il y a un jour de récompense pour les enfants de There's Dieu. There's a day of reward for the children si of God. Si tu n'as pas le Seigneur avec toi. If you don't have the Lord with you. Je t'exhorte cet après-midi. I'm exhorting you this afternoon d'ouvrir ton cœur to open your heart et de le recevoir and to receive him in your life parce qu'il y a un jour de récompense because there's a day of reward pour les enfants de Dieu for the children of God ce jour this day est un jour certain It's a certain day le peuple des cieux that the people of God sera récompensé. Will be rewarded. C'est un jour glorieux. It's a glorious day. Et ce jour-là, and that day, la Bible nous dit, the Bible tells il y aura un trône devant toi. There will be a throne before il y aura you. Un trône devant there moi. Will be a throne before me. Et sur ce trône, and on this throne, il y aura quelqu'un qui va s'asseoir. There will be somebody seated. Et la Bible nous dit, and the Bible says, que celui qui sera assis sur ce trône, that the one who will be seated on this throne. C'est le Fils de Dieu. It's the Son of God. C'est le Roi des Rois. It's the King of Kings. C'est lui qui t'a vu. The one who has comment seen you. Tu as marché. Has you walked. C'est lui qui a vu tes sacrifices. The one who's seen your sacrifices. C'est lui qui a vu tes plaies. The one who's seen your cries. Dans tes plaies. When you're crying. Dans tes manques. In your lack. Tu t'y as donné. You gave. Le meilleur de toi-même. The best of yourself. You accepted de marcher avec lui. To walk with him. Ce jour-là, that day, il sera sur le trône. He will be on the throne. Tu le verras face à face. You will see him face to face. Et ce jour-là, and on that day, il va te couronner. He will crown you. Et la Bible dit, and the Bible says, c'est le tribunal de Christ. It's going to be the tribunal of Christ. Nous passerons bien-aimés. We will all go beloved. Devant le tribunal de Christ. Before the judgment seat of Christ. Pas tout le monde qui passera. And everyone that will go through mais that. Mais ce sont seulement les enfants. Not everyone will go through that, but only the children of God that will go through this tribunal. That will see this throne. That will see this person seated on this throne. The Lord of Lords. The God of remembrance. He will never forget the goodness. Everything is within his hands. On that day, when you will pass, it will be to reward. You. Laissez-moi te dire. Let me tell you. Le tribunal de Christ. The tribunal of Christ. C'est un tribunal de récompense. It's a tribunal of reward. C'est un tribunal de récompense. It's a tribunal of reward. Ce n'est pas pour te condamner. It's not to condemn you. Ce n'est pas pour mettre en cause le salut que tu as reçu. It's not to bring cause the salvation that you receive. Mais plutôt pour te couronner. But it's truly to crown you. Pour tous les biens. To give you well que tu aurais accompli for all the goodness that you accomplished sur la terre. On earth pour toutes les œuvres for all the works que tu as accompli that you accomplished sur la terre. On earth. Maintenant, laisse-moi te dire trois choses. Now let me tell you three things pour terminer notre message. To finish our message. La première chose the first thing est que la foi en Christ is that faith in Christ qualifies us pour être devant le trône de Dieu. To be before the throne of God. Pour être devant le tribunal des récompenses. To be before the tribunal of reward. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Le monde peut se moquer. The world can mock you. Peut-être dans ta famille, on peut se moquer. Maybe in your family they can mock you. Parce que tu es devenu un chrétien. Because you become a Christian. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Tout le monde ne sera pas devant la face de Dieu ce jour-là. Everyone will not be before the face of God on that day. Ceux qui sont qualifiés. Those who are qualified. À être récompensés ce jour-là. To be rewarded on that day. Premièrement. Firstly. Ceux qui ont reçu. Is those who received le Seigneur dans leur vie. The Lord in their lives. C'est une grâce. It's a grace d'être enfant de Dieu. To be a child of God. Mais c'est une grâce. Beloved, it's a grace d'être enfant de Dieu. To be a child of God. Tu es qualifié. You are qualified à être récompensé. To be rewarded par le Seigneur. By the Lord. La foi. Faith.
Ephésiens chapitre 2, verset 8 et 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. La Bible dit, c'est par la foi. The Bible says it's through faith que nous sommes sauvés. That we are saved. Et non par les œuvres. And not through works. La deuxième chose. The second thing. La récompense est liée aux œuvres. Reward is linked to works. Nous avons été sauvés par la foi. We were saved by faith. Mais nous sommes appelés à produire les œuvres de la foi. We were called to produce the works of faith. À faire le bien. To do good. Nous avons lu dans 2 Corinthiens. We've read in 2 Corinthians. La Bible nous dit même dans 1 Corinthiens chapitre 5. Even in 1 Corinthians chapter 5. Le verset 10 to 15, la Bible nous dit, verse 10 to 15, the Bible says que toutes nos œuvres, that all our works, toutes nos œuvres, all our works, passeront, will pass, par le feu, through fire. Hallelujah. C'est ici que je dis, and this is why I'm saying, nous devons produire les œuvres. We must produce works. Car nous serons récompensés par rapport à nos œuvres. Because we will be rewarded according to our works. Et la troisième chose pour terminer, and the third thing to close, maintenant quand nous produisons les œuvres, now when we produce works, lorsque nous faisons des biens, when we do good, il y a quelque chose qui peut nous peut faire avoir la récompense. There's something that can allow us to have the reward, ou perdre la récompense, or lose the reward. C'est notre attitude. It's our attitude. Hallelujah. Amen. Notre attitude. Our attitude. Ton attitude. Your attitude. Peut te faire perdre. Can make you lose. La récompense devant Dieu. The reward before God. Ou elle peut te faire gagner. Or it can make you win or gain. Sa récompense. His reward. Ceci pour dire. This is all to say. L'attitude de toutes nos œuvres compte. The attitude of all our works counts. Tous les biens que tu fais. All the good that you do. Contrôle ton attitude. Control your attitude. Tu les fais pour te faire voir. Are you doing it to make yourself seen? Tu les fais pour s'enorgueillir. Are you doing it to pride yourself? Tu les fais pour que les gens puissent t'acclamer. Are you doing it for people to clap for tu you? Tu les fais pour que dans la famille qu'on puisse voir que c'est seulement are toi. Are you doing it for them to see only you in the family? Cette attitude. That attitude. Je l'aime dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Peut te faire gagner ou perdre. Can make you gain or lose. Ton attitude est dans les données à Dieu. Your attitude needs to be given unto God. Donner à Dieu, c'est bien. Giving to God is good. Il y a une suite de bénédictions derrière. There's a blessing that follow from mais it. Quelle est ton attitude? But what is your attitude? Quand tu donnes à Dieu. When you give to God. Hallelujah. Amen. Ton attitude dans la prière. Your attitude in prayer. Jésus même avait dit. Even Jesus said. Les pharisiens, ils se mettent au coin là-bas. The Pharisees put themselves in the corner. Ils commencent à prier. They start to pray. Tout le monde les voit. Everyone is seeing them. Qu'est-ce que Jésus a dit? And what did Jesus say? Il a déjà reçu sa récompense. He already received this reward. Alléluia. Ton attitude dans la prière. Your attitude in prayer. Tu pries pour que les gens puissent te remarquer que c'est toi qui prie beaucoup. Are you praying so that people would notice that you pray a lot? Ou tu pries dans une bonne attitude? Are you praying in a good attitude? De tout ton cœur devant la face de Dieu. With all your heart before the face of God. Dans la prière. In prayer. Dans les rapports, dans tes rapports. In your reports. Avec les gens. With people. Ton your rapport. Ton attitude. Your attitude counts. Tout ce que nous allons faire. Everything we'll do. Nous devons le faire. Avec amour. We must do it with love. Une attitude d'amour. An attitude of love. Et le faire avec amour. And do it with love. Et maintenant écoute la conclusion. And now listen to the conclusion. La Bible nous dit. The Bible tells us. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prepare yourself to the encounter ce with your God. Ce jour n'est pas loin. That day is not far. Ce jour est proche. That day is near. Où nous serons devant les tribunaux pour recevoir la récompense. Where we will be before the tribunal to receive our reward. Et quand est-ce que ce jour aura lieu? And when will this day happen? Après l'enlèvement. It will happen before, after the rapture. We will be before the tribunal of God. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Nous laissons la place à notre pasteur. We leave the place to our pastor. Amen. Amen.